Les cours de chant d'Isabelle Charles. J'aurais bien aimé prendre des cures de chant avec Isabelle Charles, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Du coup, pour avoir l'envie d'avoir envie de rester en vie, je vous ai envoyé Frédéric. Je chantais et je m'abîmais énormément la voix parce que Johnny, ça pousse quand même pas mal. J'étais gêné dans les aigus, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des cours pour améliorer ma technique vocale. Alors, il y a quelques années, j'étais en tournée. On a fait pas mal de concerts, on a tourné pendant plusieurs mois à l'étranger. À la fin de cette tournée, en fait, avec les décalages horaires, les changements climatiques, j'ai fini à faune. Et du coup, ça m'a quand même pas mal inquiétée. Et du coup, j'ai souhaité reprendre des cours de chant de façon intense toutes les semaines pour pouvoir remuscler mes cordes vocales. Parce que voilà, c'est un muscle qu'il faut entretenir en permanence, c'est mon instrument vocal. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à apprendre des cours de chant avec Isabelle Charles. Je suis danseur professionnel depuis 14 ans. J'ai toujours voulu être chanteur, là où est toute la richesse justement du travail d'Isabelle. Même quand je parle en fait en ce moment, je trouve que j'ai changé dans la qualité du travail. Je pense qu'elle est vraiment à l'écoute de ce qu'on veut. Et elle est aussi présente pour se permettre d'entrevoir ce qui pourrait être et nous diriger en ce sens pour mieux nous orienter sur les envies qu'on peut avoir mais qu'on n'ose peut-être aussi pas prendre en main. Je pense que voilà, Isabelle a fait partie de ces gens qui sait être franche et qui est vraiment humainement entière. Vous savez, les cours d'Isabelle Charles, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Non, c'est une véritable transformation pour vous rendre meilleur tous les jours. Alors maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout, en France, pour en parler, la faire gagner. Car ce que je veux, c'est que vous alliez parler d'Isabelle Charles, parce que c'est votre projet. Ma voix est propulsée vers le haut sans que j'aille à forcer dessus. Elle est beaucoup plus fluide, claire et libre. Et j'arrive à faire des sons que j'étais incapable de faire avant. Maintenant, je passe des sons, même moi, je suis étonné de voir ce que j'arrive à faire avec ma voix, alors que je ne pouvais pas le faire avant. Mais j'avais aussi besoin d'une performance vocale supérieure de ce que je savais faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup développé tout ce qui est le côté opéra, lyrique, même si ce n'est pas du tout le style de musique que je fais moi dans mes compositions et ce que je chante sur scène. J'avais vraiment besoin de me surpasser en fait, vocalement, et d'aller chercher des choses qui étaient beaucoup plus plus extrême peut-être que ce que je fais dans ma musique en fait. Et du coup, le lyrique, l'opéra, ça m'a permis vraiment de développer une tessiture vocale vraiment très très large et du coup de pouvoir être encore plus à l'aise dans ce que je sais faire dans mon registre qui est blues, rock, 70s. Donc ça m'a donné vraiment une aisance, un confort vocal et surtout de pouvoir aller chercher, exploiter des choses dans ma voix aussi que je ne connaissais pas. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante et la plus surprenante que j'ai pu apprendre dans ces cours-là. Avec Isabelle, techniquement, on progresse, hein. C'est sûr. Hein. Il y a la vie avant Isabelle et la vie après Isabelle, même dans mon paysage d'artiste lyrique professionnel. Avant, c'est des problèmes de récupération, des manques de précision quant à l'utilisation de mon instrument. Et l'après, c'est une vraie boîte à outils fiable, là tous les jours, même si on est malade. Ou même si on n'a pas envie, qui permet de s'utiliser sans douleur, dans un rapport de soin à soi-même. Il y a des circonstances où on n'est pas censé chanter des choses belles, mais par contre il faut que ça passe, il faut que ça ait un impact. Et ça passe par des outils vraiment clairs, qu'Isabelle est la seule à avoir su me donner, malgré le fait que nous soyons en 2019 et que j'ai commencé mes études de chant en 92. Donc plusieurs autres pédagogues auraient été censés me donner les pistes suffisamment solides pour que je puisse être autonome avant elle, et ça n'a pas été le cas. Sur les conseils de mon ORL, je prends des cours avec Isabelle. Isabelle Charles, recommandée par les plus grands ORL de France. Mon ORL, le docteur Ormezzano, m'a dit « va voir Isabelle et son piano ». Et je ne regrette pas du tout ma démarche, car depuis que je prends des cours avec Isabelle, je peux vous dire que le progrès est faramineux, c'est à une vitesse grand V. Et je m'épate moi-même de ce que j'arrive à réussir grâce à ces cours.
Pour Isabelle Charles, vous tapez 06 89 15 80 37.